c'est de la poudre de perlimpinpin. Je voudrais dire que je suis innocent. Moi, je suis socialiste. Et je l'assume. Vous êtes un menteur. La République, c'est moi. Cessez de gueuler. Nique ta mère. Mal élevé. Tais-toi. C'est ça, les Français. Super, on a baisé toute la nuit. Ah oui, d'accord. Ah, allons. Non, monsieur. On bavarde. Vous bavardez toujours. Là, soyez avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. Je vous demande une chose. Vous vous foutez de moi, là? Comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Non, c'est... Oh. Dis-moi, ce n'est pas vrai! Ce confinement sera adapté sur trois points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Dites-moi, votre violon, il joue de la flûte? Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Écoutez, toute ma joie de vivre, c'est mon restaurant. Il faut tout, il faut des héros, il faut des bistrots. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle sera même plus importante qu'en mars pour nos petites entreprises fermées administrativement, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois de leurs pertes en chiffre d'affaires. Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé. Je vais rentrer à Paris. Je vais retrouver mon chantier. Bon, ben vous le reverrez, votre chantier. Ben non. Mais si. Ben non. Mais si. Les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner. L'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. Vive la République et vive la France. Et YouTube, nique, tout simplement. On s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes ayant droit, on prend tout et ferme là. On prend tout et ferme.